pour défier aujourd'hui nos lunettes à remonter le temps. Alexandre. Et moi, c'est Alison. On est Jugeline. Comme les joueurs, ils attendent fébrilement. Alison, 30 ans, travaille dans l'hôtellerie. Alexandre, 23 ans, étudie le marketing. Les juges de ligne entrent dans l'arène. Pour être dans l'ombre de Rafael Nadal, ces passionnés ont posé des congés. Ils s'offrent une parenthèse. Roland Garros. Ouais, c'est une montée d'adrénaline, hein. C'est sûr qu'on n'a pas le droit à l'erreur, il y a du monde qui nous regarde, il y a une pression. Ça pétille, c'est des frissons, en particulier quand on est sur des grands cours. C'est indescriptible, vraiment. Et si c'était à leur tour d'éviter les fautes, avec notre quiz à voyager dans le temps. 1991, Connors affronte Agénor qui appelle le juge de ligne. La balle est là, dit l'arbitre. Voyez, on la voit bien la trace, hein. Jimmy Connors s'amuse tellement de la situation qu'il va imiter le juge, comme l'aurait fait un sale gosse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je dirais que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Connaissant le tempérament du joueur, c'est vrai que c'est quelque chose de possible. Alors qu'est-ce qu'il nous fait, Jimmy, derrière là? La preuve par l'image. Regardez Jimmy, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Eh oui, l'Américain a bien osé singer le juge. C'est drôle de le voir après, mais sur le moment, j'aurais pas forcément apprécié que ça m'arrive, je pense. Deuxième affirmation. En 2004, les juges de ligne avaient le droit de porter des jeans. Vrai ou faux? C'est faux. Non, c'est faux. C'est pas un juge de ligne, c'est un spectateur. Qui a été appelé par le joueur. Bien vu, c'est même l'Américain James Blake qui fait venir cet anonyme du premier rang pour vérifier la marque. Ouais, non, mais ça, je m'en souviens. Troisième affirmation. Nous sommes en 2001, il fait 40 degrés. Un juge fait un malaise à cause d'une insolation et doit quitter le cours. Vrai ou faux? Non, je pense que c'est faux. Je pense que ce monsieur n'a pas eu de chance et qu'il a pris une balle dans la tête. Vu sa position, c'était généralement plus le cas qu'une insolation. Démonstration. Au service, la Colombienne Castaño et à la réception, ce pauvre juge de filet. Une balle en pleine tête. Le juge de filet, ça n'existe plus maintenant, mais c'était assez dangereux. Dernière affirmation. C'est vrai, les contacts sont parfois inévitables entre joueurs et juges. Mais en 2001, miracle, Sébastien Grosjean va éviter de justesse le juge de ligne en se faisant tomber. Vrai ou faux? Non, je pense que c'est faux. Et je pense qu'il se rattrape sur le juge de ligne et qu'il repart dans sa course pour terminer l'échange par la suite. La réponse, en images. Il a failli se faire mal là-bas, ouais, contre l'arbitre. Il a poussé l'arbitre d'ailleurs. Regardez comment le juge de ligne va se retrouver embarqué à l'extérieur de sa boîte. Hop. J'ai déjà reçu un joueur qui est arrivé sur moi, mais après, si on peut éviter, oui, ce serait mieux de ne pas faire partie du bêtisier. Oui. Et demain, balle neuve pour un nouveau jeu.